La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème, être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateur, les révérends Francis et Scolastine Badinga, hôtes du séminaire. L'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Mbumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020, en live streaming sur Facebook et YouTube, soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Africa, Lord, why? 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 Africa, Lord,
ses ennemis sont dans la joue. Va nos ennemis s'enfuient devant toi. Quand tu t'élèves, tout s'incline devant toi. Quand tu t'avances, tout s'abaisse devant toi. Quand tu es là, tes ennemis sont dans la joie. Et nos ennemis s'enfuient devant toi. Appelez tous les potiers, aucun ne peut répondre devant le nom de Jésus.
Surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur.
prédicateur, les révérends Francis et Scolastine Badinga, hôtes du séminaire, l'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Mbumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020, en live streaming sur Facebook et YouTube, soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Je veux que quelqu'un sache que quand on est un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes comme Paul et Silas quelque part où les gens, des dieux sur une forme humaine. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu veut fortifier nos familles. Je vous défie que même dans une situation en crise, avec un tel enseignement, vos familles vont se distinguer. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi, nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse, parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, mais ça part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Je répète encore devant cet autel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Rocktown in the building.
Bonsoir à tous. Ici le pasteur Cédric Mbanga de l'église annexe Bethany Matanda. Là nous sommes en famille. Nous sommes en famille parce que nous sommes en train de suivre la vidéo sur la rentrée ecclésiastique du centre d'évangélisation Bethany. Comme vous le constatez, nous sommes très enthousiasmés et nous croyons que par ces paroles que nous allons écouter, nous serons fortifiés et très encouragés. Donc c'est avec un élan d'optimisme, c'est avec un élan d'encouragement que aujourd'hui nous tenons en famille et nous croyons que Dieu véritablement nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, je suis le pasteur Raphaël Mamouna du centre d'évangélisation Bethany Fatima. Ce soir nous sommes réunis en famille, c'est pour suivre en direct le séminaire de la rentrée académique qui a pour terme être revêtu d'une mentalité de laboureur. Ce thème sera animé par des prédicateurs de qualité et donc nous venons vous juste pour vous rassurer que ce séminaire est bien suivi au niveau des Port-Gentil, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, je suis le pasteur Mouclair Toum, pasteur responsable de l'église centrale de Port-Gentil, responsable du presbytère. Nous sommes ici vraiment très honorés d'être en direct de la rentrée académique 2021 avec ce grand séminaire qui a pour thème être revêtu d'une mentalité de laboureur avec des orateurs ici de renom venus de partout. Nous voulons véritablement que ce séminaire soit une bénédiction pour tout le corps de Christ, que ce soit ici au Gabon ou dans le monde entier. Nous encourageons davantage de personnes à suivre et à s'engager dans ce programme. Que Dieu véritablement nous bénisse et bénisse le Gabon. Salam alaikum. Je suis le responsable Peter, l'équipe de Bethany Dakar avec le pasteur Camille Simangoy. Nous vous saluons depuis Dakar et nous voulons déjà de passage saluer le révérend Francis Michel Mbaniga et son épouse, la révérende scolastique, sans oublier le vice-président de l'église Bethany, le révérend Xavier Richard Bumba et son épouse Maman Anjo, qui ne cesse de nous encourager, qui ne cesse de vraiment nous encourager dans la mission ici au niveau de Dakar. Église du Gabon, soyez encouragés. Au niveau de Dakar, nous bénissons Dieu parce que l'Église grandit et nous vous saluons encore. Soyez tous bénis. Nous continuons à suivre cette rentrée ecclésiastique et nous croyons que Dieu nous fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, shalom à tous, shalom à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je suis le pasteur Camille Simangoy depuis le Sénégal où je suis en mission pour établir l'église Bethany et je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse Juste Prime qui est là, qui m'accompagne durant cette mission. Alors nous voulons vous dire que depuis un bon moment nous avons commencé une œuvre ici pour le compte de l'église Bethany ici à Dakar au Sénégal et nous voulons vous dire que le Seigneur est avec nous depuis un bon moment. Nous voyons comment est-ce que l'œuvre est en train de prendre de l'ampleur et nous voulons vous dire que ce soir également, nous avons été en direct avec vous. Nous avons suivi avec le peuple de Dieu ici l'ouverture du séminaire de la rentrée ecclésiastique. Nous disons merci au révérend Francis et à la révérende Scolastique Badiga. Nous disons merci à toute la suivance apostolique, à tous les pasteurs du Gabon et spécialement au révérend Xavier qui nous a fait la confiance pour nous établir en tant que pasteur missionnaire ici au niveau du Sénégal. Encore une fois, merci pour la confiance et que Dieu soit avec nous. Alléluia, alléluia, shalom à tous. Permettez-moi de déclarer que vous n'êtes pas n'importe qui. Il est temps que vous preniez un peu plus au sérieux car Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Vous vivrez assez longtemps pour accomplir votre destinée et faire des exploits pour Dieu. Je voudrais ici introduire à nouveau un homme d'exception, l'apôtre Alain Caron. Nous avons été apôtres extrêmement bénis par ce fabuleux message sur les maisons de gloire
ou dans le cadre de ce grand thème, être revêtu d'une mentalité, on a dit, de laboureur. Tu nous as véritablement édifiés, tu nous as amené à un niveau de compréhension du travail que nous devons faire. C'est un travail fastidieux que nous devons devoir opérer. Et c'est vrai qu'au-delà de nos méga-églises, elles ont peut-être pendant, et on a vu avec cette crise, on va dire sanitaire, été peut-être des géants au pied d'argile ou tout simplement, on va dire, des châteaux de cartes. Mais on se réjouit que, comme tu l'as si bien dit de manière prophétique, que, n'est-ce pas, l'expansion de l'Église a néanmoins continué. Et nous devons marcher dans l'esprit, on va dire, qui animait ceux de l'Église des deux premiers siècles, n'est-ce pas, qui ont bâti des ministères puissants, des églises qui ont connu une croissance exponentielle parce que tout simplement, les églises de maison, les maisons de gloire, n'est-ce pas, ces centres de commandement spirituel, c'est ainsi que j'aime les appeler, étaient l'unité de base des méga-églises, n'est-ce pas, qu'elles ont constitué à l'époque. Nous voulons te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants et dire à tous ceux qui, n'est-ce pas, l'ont entendu, nous avons le privilège de l'entendre dans un message puissant. Il a écrit de nombreux livres, il nous a invités, la Révérence Scolastique et moi-même, pour deux grandes conférences au Canada et aux États-Unis, dans la région du Texas. Nous n'avons pas pu nous y rendre pour des raisons que vous connaissez, raisons évidentes de crise sanitaire à la COVID-19, mais nous nous réjouissons qu'on a pu faire au mois de juin cette conférence ensemble via les réseaux sociaux, par conférence, n'est-ce pas, vidéoconférence. Nous nous étions reliés à plusieurs autres ministres du culte et ça a été pour la Révérende et moi un temps exceptionnel de grande bénédiction. Mais nous savons que nous sommes au Canada, nous serons aux États-Unis et lui également, il viendra au Gabon parce qu'il aime l'Afrique. Nous nous retrouvons chaque année au Rwanda dans la conférence, n'est-ce pas, Africa, Guruka. Et là, nous serons ensemble, effectivement, l'année avec la grâce de Dieu ici au Gabon et au Canada et aux États-Unis, nous pourrons continuer à communier ensemble. Vous serez bénis. Il a écrit des livres, j'ai donné les titres la dernière fois sur les réseaux apostoliques, n'est-ce pas? Il a écrit des livres sur la gloire, il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Nous allons nous battre pour pouvoir commander ces livres pour le monde francophone ici au Gabon et vous pourrez être véritablement édifiés en regardant ces livres. Alors, comme je te l'ai déjà dit, apôtre, tu as la liberté de partager ce que Dieu a mis dans ton cœur, n'est-ce pas, dans le flot de l'esprit que Dieu t'a communiqué. Nous serons heureux de t'écouter. À toi la parole, que Dieu te bénisse et à tout à l'heure. La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Bethany organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème, être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateur, les révérends Francis et Scolastine Badinga, hôtes du séminaire. L'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Mbumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020, en live streaming sur Facebook et YouTube, soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. L'apôtre, le pasteur Badinga, m'avait demandé de lui donner deux enseignements pour cette entrée académique, ce grand séminaire que vous faites. Et donc, voici ce second enseignement. En fait, je ne sais pas si vous l'écouterez en premier ou en deuxième, mais l'enseignement que je vous amène ici est un peu plus costaud. Mais j'ai cette confiance que nous pourrons ensemble bien absorber cet enseignement. Je sais qu'avec le pasteur Badinga, vous êtes bien enseigné, vous êtes bien formé à recevoir les choses profondes de la parole de Dieu. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est